Bonsoir à vous. Alors, nous sommes mercredi le 13 juin. Je vais débuter dans quelques secondes le dernier Facebook direct de l'année scolaire 2018-2019. Ce soir, je vous présente en rafale, je pense que ça va être en rafale, une des séries de livres parce que on a des jeunes qui posent d'emblée la première question. Bonsoir Ginette, j'espère que vous allez bien. Les vacances s'en viennent, Ginette. il est 19h, fait que je vais commencer de façon officielle. Alors, bonsoir, mon nom est Anne Lucerdi, je suis conseillère pédagogique aux messageries ADP. Ce soir, il s'agit du dernier Facebook direct de l'année scolaire 2017-2018. Je suis déjà dans mon autre année. Alors, ce soir, je vous avais annoncé que j'allais vous présenter des séries. Parce que, d'emblée, bonsoir Catherine, j'espère que vous allez bien. Parce que les jeunes aiment les séries. On a beaucoup à en parler, on fait attention, puis aux jeunes qui ont de grandes difficultés de lecture, on se préoccupe des jeunes à qui on pourrait suggérer des livres et afin de leur donner la piqûre. Mais en même temps, il y en a qui l'ont. Bonsoir Julie. Il y en a qui sont des lecteurs et j'ai toutes sortes de choses à vous présenter. Ça va être vraiment en rafale parce que je veux pas prendre trop de temps. C'est la fin de l'année. Vous êtes en correction, vous êtes en planification pour l'an prochain. D'ailleurs, les webinaires, mon calendrier, là, je sais que je l'ai serré, je sais pas où je l'ai mis, mais oui, tu sais. Mais mon calendrier de l'année 2018-2019 se book à vue d'œil. Regardez, au mois d'octobre, je n'ai zéro plage horaire pour quoi que ce soit. Novembre, c'est la même chose. Il me reste de la place en décembre. Puis quand je dis de la place, c'est quelques plages horaires. Je vous dirais que février, mars, avril, c'est déjà... ça se remplit rapidement. Alors, si vous avez l'intention d'organiser une rencontre, moi, je reste dans la Nodière, donc qui ne demande pas trop de déplacement, je vais aller vous voir, il n'y a aucun problème. Si je suis dans un salon du livre, dans la période d'un salon du livre X, et que vous êtes dans cette région-là, ben il y a peut-être possibilité que je me déplace pendant le salon. Sinon, ben il y a le webinaire qui fonctionne beaucoup. Écoutez, en exemple, 1er février, le matin, je suis à Montmagny jusqu'à 11h30 et à 13h30, je suis à Sept-Îles. Fait que c'est pour vous donner l'ampleur du webinaire et ça va être juste fantastique de vivre tout ça. Ça prend pas beaucoup d'organisation. Ça fait peur au début, mais comme Ginette, qui est une de nos fidèles auditrices, le sait, c'est facile. En bout de ligne, ça devient facile à organiser et on en prend le goût. Donc, c'est la dernière de l'année. Je vais commencer. Écoutez, j'ai 3-4 piles devant moi. C'est vraiment hétéroclite, c'est tous les âges. J'ai du secondaire en masse pour vous, Ginette et autres qui sont pas encore branchés ou qui m'ont pas encore salué. Et je répète que si je ne vous salue pas, malgré que vous ayez écrit quelque chose sur la page, c'est parce que je le vois pas. Si je vois quelque chose, je réagis. Bonjour, Madame Pelletier. C'est intéressant, je vais organiser quelque chose dans la région de Québec pour la rentrée. Pour la rentrée, je suis là, je pense, le 24. Le 24 août, je suis dans votre région. Alors, moi, dormir une journée, oui, c'est ça, le 24. Alors, être une journée de plus dans votre région, ça maximise le temps. Et si je peux voir plein d'écoles où on peut organiser quelque chose dans une librairie où là les écoles se réunissent à même une librairie, ça aussi ça se peut. Donc, alors là, je commence par quoi?
Je vais commencer par mon fils spirituel, Antoine. Donc, c'est les séries ce soir, n'oubliez pas. Je vous présente donc Antoine, qui est le personnage principal de la série Opération de Valérie Fontaine. Opération Flocon, je dis que c'est mon fils spirituel parce que il haït l'hiver. Antoine n'adore qu'une seule saison, soit l'été. Là, il m'en manque un. Probablement que je l'ai laissé quelque part dans une école. Opération Gazon, ça c'est l'été. Ça c'est lui puis moi, là, on a hâte à ça. Être sur le deck de la piscine et lire, mais profiter. Donc, dans Opération Flocon, il déteste l'hiver. Il va tout faire pour que l'hiver parte le plus vite possible. Dans Opération Gadou, c'est le printemps. Donc, il va accélérer les choses pour que dans le jardin, il pousse. Donc, au lieu de mettre des semences, lui, il va mettre carrément des carottes pour que le jardin ait de l'air fleurissant. Et le dernier qui me manque, c'est Opération Coup de vent, qui fait donc appel à l'automne. C'est en numératie, se situer dans le temps, donc au préscolaire, c'est parfait. Mais pour les autres années secondaires, les autres années primaires, pardon, simplement le plaisir de lire et de voir tout ce que Antoine va faire. Il n'y a pas de parents hein, dans ces albums-là. Et je vous rappelle, pour ceux qui sont fiches pédagogiques, qui aiment bien avoir des idées. Fonfon a de magnifiques fiches pédagogiques qui accompagnent les livres. Et si vous n'avez pas le temps d'aller chercher une fiche pédagogique, à la fin de chaque album, vous avez une méthode, des exercices pour faire le retour immédiat sur chacun des albums. Alors, c'était chez Fonfon. Là, où je vais? Les roues. Les roues, j'en ai déjà parlé. Mais vu qu'on est dans les séries, je vous présente donc les roues. Dans le premier, c'est une arrivée spéciale spatiale. Dans le deuxième, c'est à l'aide. Et dans le troisième, c'est pomme, sandwich et roues. Donc, on est avec des personnages qui viennent de l'au-delà et qui sont tous roues et tous les noms ont un sens avec le mot roue. Et ils vont faire la connaissance de Julien le Terrien, ils vont entrer dans sa vie. C'est une belle initiation à la bande dessinée. Donc, texte narratif parfois et bande dessinée. C'est absolument génial chez Michel Quintin. J'adore les roues. Et moi, j'ai le temps, quand j'aime un livre, je prends le temps de lire le 1, évidemment. Quand je suis en coup de foudre, je vais lire le 2. Puis j'ai pas vraiment le temps de lire le 3, 4, 5, mais dans cette série-là, ça se lit vraiment bien. C'est intéressant, c'est intelligent. Ça amène l'enfant. Ça pourrait être des livres qui peuvent amener de nouveaux lecteurs, assurément. Dans les maisons d'édition, les ailés, je vous présente, probablement vous le connaissez, mais c'est pour vous rappeler que Albert le Curieux, là, c'est la période d'été. Là, je parle pas aux profs, je parle plus aux parents. On se souhaite un été ensoleillé qui va faire en sorte que nos jeunes soient à l'extérieur. Mais il se peut qu'on ait des certaines journées à l'intérieur. Et dans Albert le Curieux, c'est que on a, moi j'adore celui des sciences, là, c'est celui que j'amène partout. Vous voyez qu'il y a des points, ça veut dire que c'est quand j'ai deux conférences, la dernière fois que je suis allée à la Rivière-du-Loup, je l'ai présenté dans deux conférences différentes, donc c'était des points de repère pour monter mes boîtes. Donc lui, j'en parle beaucoup. Lui ici, c'est les énigmes, ça aussi c'est le fun. Alors on met le jeune en action. On s'assure qu'ils aient tous les matériaux disponibles et des heures de plaisir et d'apprentissage, puis ça ne rend même pas compte. C'est bon. Sixième année, très bonne lecture, sinon très bon lecteur, sinon secondaire 1. On va rencontrer Zach et moi. Évidemment, c'est le 2.
Mes uns sont probablement dans le camion parce que j'étais en conférence dans la Nadière hier et j'ai présenté beaucoup, beaucoup de livres. Et bon, j'ai une petite blessure à la jambe qui fait en sorte que je minimise mes pas. Ils sont restés. Donc là, je vous présente le 1, mais le 2. Mais dans Zach et moi, le premier, c'est qu'on va s'apercevoir que Vanille et Zach, donc, sont au primaire deux ennemis. OK? Pas ennemis, mais enfin, ils s'entendent pas vraiment. Ils sont toujours en conflit et tout ça. Et au secondaire, ah non, quelle misère, ils sont dans le même groupe. Ils vont se chicaner, ils vont vraiment avoir une grosse altercation, puis là, ils vont, altercation plutôt, puis ils vont se rendre chez le directeur. Et là, le coup de foudre. Coup de foudre entre la mère de Vanille et le directeur qui est le père de Zach. Et on va suivre la péripétie. Ici, c'est dans l'envahisseur, donc ils vont commencer à vivre ensemble. Et on va les suivre. Pour les familles reconstituées, c'est bien parce qu'on se reconnaît. On reconnaît certaines étapes. C'est quand même écrit assez espacé. Donc, un bon lecteur de sixième année. Sinon, toute personne curieuse, Zach et moi, il y a plusieurs tomes. C'est vraiment intéressant et c'est chez Recto Verso. Chouette. Marie-Josée Soucy, bravo. Moi, j'aime pas ça, l'horreur. Pour vrai, là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés. Mais chez Osely, vous avez une zone frousse. Là, je vous en montre un, mais il y en a plusieurs dans cette zone-là. Regardez, c'est le 31, tombe 31, le bal du diable. C'était peurant pour des tout-petits. Pour quel âge, je vous dirais, primaire, un très bon lecteur, ça peut aller au secondaire, ce premier cycle du secondaire, sans aucun problème. Adaptation scolaire, si on a des jeunes qui ont l'âge, parce que je vous rappelle que j'enseignais, puis j'avais un groupe de 15-21 ans, ça pourrait être un bon choix, parce que c'est tout de même écrit assez gros, je sais pas si vous le voyez. Bonjour Nathalie Vallée, j'espère que vous allez bien. Vous, je vous connais pas. Vous venez de quelle région? Pouvez-vous me l'écrire? Alors, vous voyez que c'est très bien espacé. C'est des suspens, c'est des frissons, c'est du wash. Donc, c'est parfait pour nos jeunes. Plusieurs tomes. Si vous allez sur la page web de la maison d'édition Les Ailés, donc zone frisson, zonefrousse.com, je vais le dire comme du monde, zonefrousse.com, vous avez les titres. Et bon, ben, vous avez plusieurs titres là-dessus. Là, je ramène au tout petit. Évidemment, on a chez Fonfon les premières lectures. Écoutez, je pense que je les ai toutes sorties. Alors, les Claudia, les Simon, les Robert, vous les avez, moi je les ai tous, ça se lit vraiment bien et j'ai une amie qui a une enfant de l'âge préscolaire, donc plus jeune, elle les connaît par cœur, elle ne sait plus qu'elle demandait, mais les Simon est capable de, elle anticipe et elle sait qu'est-ce que c'est, Robert est en retard, quand Robert sera grand. Donc, il y en a plein. Et je dois vous rappeler qu'ils sont gradués. Je ne sais pas si vous les voyez bien. 1, 2, 3, 4. Ça a vraiment été fait avec une conseillère pédagogique en lecture pour les plus jeunes. Donc, le tome 1, il y a des mots plus faciles. Les phrases sont plus courtes. Il y a un nombre de mots respectés. Et au 4, vous en avez plus. Donc, dans le 1, vous avez 16 pages, 105 mots, puis des phrases de 6 à 13 mots. Et on a la liste des mots difficiles. Par contre, le 4, vous en avez plus. C'est un peu plus complexe. On développe un peu plus le vocabulaire. Par contre, faut pas oublier que le 5, 6, 7, 8 de Robert, c'est la même chose. Donc, le 5, c'est de niveau 1. Et le 8, c'est de niveau 4. Il faut penser à ça.
très, très belle collection à avoir en cercle de lecture, à avoir à la maison pour initier à la lecture, pour prendre du temps avec notre enfant pour lire. Chloé Varin, je l'adore. Donc, tu sais, c'est vraiment un bon temps de lecture. Où je vais? OK, là, j'ai le 3 pour les mêmes raisons que les autres, parce que le 1 et 2, ils sont dans ma boîte de présentation. Je vous présente Sherlock, Lupin et moi. Et l'auteur, c'est Irène Adler, qui est... bonjour, Valérie! Allô, Caroline! Donc, ici, on est avec 3 personnages importants de la littérature anglaise, soit Arsène Lupin, qui lui est un français, Sherlock Holmes et Irène Adler, qui sont donc des personnages importants dans tout ce qui est enquête. Et là, on les retrouve jeunes, quand ils sont jeunes. Le tome 1, c'est La Dame en Noir. Ils se retrouvent donc en vacances, ils font connaissance et ils vont avoir une énigme à résoudre, à savoir, mais qui est cette mystérieuse dame? Péripétie absolument géniale, vocabulaire accessible, c'est chez Albin Michel, jeunesse. C'est vraiment une belle collection à laisser traîner cet été auprès des jeunes. Pour l'an prochain, si vous avez envie de travailler le genre policier, le genre enquête, c'est vraiment chouette parce que les personnages ont l'âge de nos plus vieux. Je vous dirais peut-être qu'au secondaire, pour cette série-là, pour l'étude en classe. Sinon, un très bon lecteur du primaire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune vulgarité. Oui, il y a de l'intimidation parce que entre autres, dans le 1, il y a une gang qui vit sur l'île qui vont essayer d'intimider, mais j'adore cette série-là. Je lui mets l'étoile des favoris. Wow! Évidemment, bon, là, je fais un aparté. Je vous présente pas de livre, première lecture, premier roman de chez Nathan. Pourtant, ce sont des séries. Parce que demain matin, je rencontre... J'espère que j'ai caché. Oui, je ne l'ai pas. Il est caché. Demain matin, je rencontre la classe qui a gagné le premier prix donc du concours d'écriture Nathan. Et dès vendredi, vous allez avoir tous les détails sur le blog. Donc, des photos des groupes, le titre. Je vais vous mettre la page couverture de chacun des classes gagnantes. Bref, je vais vous faire un petit compte rendu. Mais c'est pour vous dire que Nathan, dans les premières lectures, premier roman, il y en a tout plein. Si vous le voulez, vous allez sur le blog, vous allez dans Historique, concours de Nathan d'écriture et vous avez un bon de commande déjà prêt. Pour les Raconte-moi de chez Petit Homme, oh là là, quelle aventure! J'ai assisté vendredi passé au dévoilement des catégories gagnantes. Si je rappelle, il y avait donc 4 textes argumentatifs à écrire. Un sur un artiste, un athlète, un personnage important et un événement ou une institution. Tous les gagnants ont été appelés le jour même. J'ai entendu des voix d'enseignantes hurler. J'ai commencé ma semaine, soit lundi matin, 8h30, en webconférence avec la classe, les classes gagnantes, donc celle qui va être publiée l'an prochain. Ça, je peux tout vous dire ça, mais pas avant la semaine prochaine, parce que je me rends dans la classe de la grande gagnante. J'y vais mercredi après-midi. Donc, je vais déposer jeudi la série, mais pour vous dire que la série Raconte-moi, faut pas se gêner d'amener nos jeunes parce que je pense même que vous avez des présentoirs où les tomes s'y trouvent. Donc, des documentaires faciles à lire, très courts, mais oh mon Dieu, intéressants, et vous avez autant des vedettes, des sportifs, des institutions. Là, je me tais parce que sinon, je vais en vous dire plus. Vous avez chez
Michel Quintin. Vous avez les connais-tu? Les savais-tu? Vous les connaissez? Je pense qu'ils sont dans toutes les écoles du Québec. Autant cette couverture-ci que celle qui est upgradée, si je me permets de le dire. Mais moi, j'utilise les connais-tu? Et cet été, je suis en train de préparer, je l'avais déjà donné, mais là, je suis en train vraiment de la peaufiner, une conférence sur pour l'univers social que je donnerai le 16 août au Festi, au Pédagogfest. Festi. Au Pédagogfest. Et oui, je vais parler de Louis Cyr, entre autres, parce que ici, dans Louis Cyr, je touche à la réalité plutôt anglophone, francophone, la dualité qu'il y avait. Lui refusait de changer son nom. C'était Louis Cyr, un point, c'est tout. Et la collection est absolument géniale. Vous avez des scientifiques, des sportifs, vous avez des personnages importants de l'histoire. Et moi, c'est avec ceux-là que je vais travailler. Je vais vous en présenter plusieurs textes. Là, la porte va s'ouvrir. J'ai le chat qui veut rentrer. Je vous ramène au plus petit. Je vous avais parlé, je pense, en février, la collection, donc la série Emma et Loustique. Alors, Emma et Loustique, c'est un personnage avec son chat. Et ici, on est avec, juste, j'aime bien, c'est Albin Michel, et j'aime bien le petit carré jaune qui dit « Un vrai roman à lire tout seul ». Parce qu'on est vraiment dans un texte narratif où il y a plusieurs péripéties. Je vous dirais peut-être deuxième année, troisième année. Les thèmes sont très touchants. Je vous avais parlé, moi, bon, je l'ai pas celui que je vous avais parlé. Donc, c'était la rencontre d'une personne âgée qui souffrait d'Alzheimer. Et bref, c'était vraiment touchant. C'est super bien écrit. C'est facile à lire pour un jeune qui débute, donc peut-être l'accompagner ou faire de la lecture partagée, mais on le laisse lire. Je continue avec Alain Bergeron. Je sais pas s'il est là ce soir. Je sais qu'il était là ce matin en Facebook à 9h30. J'étais pas là. Mais j'ai juste vu passer un peu. Donc, on est avec Billy, hein, Billy et sa gang. Ici, on est avec le tome 1, La vallée des géants. J'en avais glissé un mot, mais c'est parce que si on adopte Billy, l'enfant va vouloir continuer à le lire. Et bref, c'est une belle aventure où l'enfant risque de ne pas s'ennuyer. Dans le même ordre d'idée que tantôt, quand je vous disais que mes bottes sont dans le camion, je vous présente ce livre-là, cette série-là. Il y a 8 tomes, je pense, 7, je suis certaine, 8, j'hésite. J'en ai lu plusieurs, je pense, je me suis rendue à 5, pour vous dire à quel point c'était hyper intéressant. Et je les ai, les 3 autres, parce que je veux les lire. J'ai des mamans qui m'ont dit ça a donné envie à mon garçon de les lire. Pourtant, les pages couvertures sont très... puis je sais qu'il y en a qui vont m'écrire et me dire faut pas genrer. J'ai eu ce genre de commentaires, puis je l'accepte. Cependant, c'est comme ça quand même. Donc, je vous présente 43 rue du Vieux Cimetière. Ici, on est dans une série où de correspondance, donc un roman épistolaire, c'est toujours sous forme de lettres. Il y a une belle communication entre les personnages qui vivent dans un manoir. Fait intéressant, le texte n'est jamais au présent. Soit à l'imparfait ou au futur. On se donne des rendez-vous. Et ce qui est super le fun, c'est que ce sont de courtes lettres. Même si ça a l'air chargé comme pâle, je vous dirais que ça se lit vite parce que l'enfant reconnaît qui écrit. Parce que chaque personnage a une calligraphie différente. Parfois, ça a l'air manuscrit.
Parfois, c'est dans une, sur une machine à écrire. Parfois, ce sont des cartes postales. Donc, ça se lit vraiment bien. On est personnage principal qui est un garçon, un fantôme et un écrivain de littérature jeunesse qui aille les enfants. C'est tout ce que je vous dis. Là, je vous amène secondaire, deuxième cycle. J'ai vraiment aimé ce livre. Je vous présente la règle de trois. Règle de trois, trilogie, une brique pour le plaisir, absolument aucune pédagogie. Ou alors, si un prof un peu capoté lit la série, en fait un résumé et se sert de certains extraits. Alors, la règle de trois, c'est qu'on est dans une ville X, dans un quartier X, et tout s'arrête. Jusque-là, ça va, on dirait une panne d'électricité. Mais quand je dis tout, c'est tout, tout ce qui est électronique. Donc, même les autos, parce que par la force des choses, toutes nos autos sont munies de circuits électroniques. Alors, même ça, ça arrête. Les avions tombent parce qu'il n'y a plus rien. Et donc, c'est tout ce qui est à l'ancienne qui va vivre. Et dans le 1, on est comme dans le « qu'est-ce qui se passe? » on va s'organiser. On va même être tellement bien organisé qu'il va falloir protéger notre territoire. Fait que là, on tombe vraiment dans presque le primitif parce qu'il va falloir vraiment protéger notre territoire. Dans le 2, on est dans la guerre, tout ça, et j'arrête. C'est une très belle série. Je vous disais que j'allais vous présenter des titres peut-être pour vous. OK, c'est recto verso, c'est de la littérature jeunesse, mais ô combien intéressante, qui nous fait décrocher. Wow! Il y a trois, hein, je l'ai dit, une trilogie. Là, je tourne dans les albums. Évidemment, vous avez tous les splats hein, chez Nathan. Mais ça, parce que j'en parle presque tout le temps. Alors, je vais essayer de lire Amélie, la règle de trois, j'adore certains élèves de sixième année. Ah, ouais, très avancé, mais je pensais pas. Merci de le partager. Pour vrai, moi, je ciblais ça à cause des problèmes de société, à cause justement du 2 de la guerre qu'il y a, puis on tue des gens finalement, on protège notre territoire. Mais merci Amélie de le partager. Alors, je vous présente des albums. Là, c'est sûr que il faut que notre jeune à qui on va offrir ces séries-là, c'est qu'il va falloir qu'il connaisse. Hein? Faut vérifier qu'il connaît bien les contes. Parce qu'ici, il était trois fois Boucle d'or et les trois cochons. Il était trois fois les trois petits cochons. Et il me semble bien qu'il y était trois fois Cendrillon. C'est à chaque fois trois histoires réinventées sur la thématique ici de Boucle d'or et des trois petits cochons. C'est du plaisir, on s'évade. Puis si on a une activité à faire, on pourrait tout simplement dire, on pourrait leur mentionner, écris-toi ta propre version de ces contes-là. Chez Slalom, qui est une maison d'édition française, je pense que j'en avais parlé un peu, mais comme ce sont des séries, je le ramène. Alors, Mélanie nous dit, beau réseau, oui, absolument, c'est pour les contes inventés, excellent. Mais là, je parlais plus pour le plaisir de lire le soir, pour cet été. Mais effectivement, côté pédagogique, les contes réinventés, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez les trois tombes de Pax. Pax, ce sont deux frères qui sont qui vivent une espèce de colère interne. Ils savent pas, mais ils ont des certains pouvoirs. Et ce sont les gens qui vont s'occuper d'eux, qui vont leur apprendre finalement qu'ils ont une mission, qu'ils sont dotés de certains pouvoirs, capacités. C'est vraiment chouette. Et ce que j'aime, c'est que dans certaines parties du livre, on a une planche qui résume ce qu'on vient de lire. Donc, pour les enfants qui nous donnent souvent l'excuse de
je me souviens, c'est, puis je dis ça, puis ben, c'est du vrai, là. Donc, ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont lu, puisque, de ce qu'ils ont lu. Donc, le fait qu'il y ait une page qui résume ce qu'ils ont, ce qu'ils viennent de vivre avec les personnages, je trouve que c'est une belle façon de s'appuyer. Est-ce que j'ai bien compris et tout? Donc, ça peut devenir une lecture intéressante. Je vais parler à dos, full action. Il y en a de l'action, c'est incroyable. Super bien écrit, vocabulaire accessible. Mon Dieu, pour les petits, chez les ailés, vous avez, pour nos petits sportifs, vous avez l'étonnante saison des Pumas de Luc Gélina. Deux tombes sur, trois, je ne sais pas. J'en avais déjà parlé, puis je voudrais juste vous dire que les débuts de Tristan m'ont beaucoup, beaucoup touchée sur le réalisme des sentiments que vit le personnage principal. C'est incroyable, un jeune qui fait du sport, qui intègre une équipe qui est un peu plus élite. Je parle pas là de, mais qui est, ici c'est intercité, intercommunauté, où le papa ne doit plus rentrer dans la salle pour attacher les patins. Et à chaque fois, entre chaque chapitre, il y a une toute petite capsule pour les fans de hockey. Ici, c'est vraiment le hockey. Donc, sur « Savais-tu que… » Et on apprend des choses. Et pour avoir côtoyé certains jeunes, ils aiment partager des choses qu'ils viennent d'apprendre et insérer ça dans une conversation. Ça rend fier, ça rend heureux. Défense d'entrée. Ah, défense d'entrée de Caroline Héroux et de son garçon. C'est de l'écriture, ça, madame. Hein? C'est de la calligraphie différente. Il y a de l'émotion juste par la calligraphie. Écoutez, c'est incroyable. C'est un succès. Je pense qu'il y en a au moins 7. Où là, on partage la vie de mère et fils dans leur quotidien, dans leur vie. C'est du réaliste en étant de la fiction. Mais tu sais, ce que j'aime, c'est on a toutes sortes de choses à l'intérieur des pages. Ça rend la lecture dynamique. Au début, je trouvais ça, comme adulte, je trouvais ça difficile, moi qui lis beaucoup de choses conventionnelles, écrites de façon très conventionnelle. Mais là, c'est les pages sont dynamiques. Fait que forcément, l'histoire allait. En rafale, bon, tantôt, je vous ai montré Billy Stewart et compagnie. Évidemment, il y a les classiques Billy Stewart chez Michel Quintin. Je ne vous ai pas dit, mais Défense d'entrée, c'était chez La Bagnole. Chez Presse Aventure, évidemment, vous avez L'Agent Jean. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, mais où étiez-vous ces dernières années? Lorsque Alex A se présente à un endroit, je l'ai vécu à Joliette au premier rendez-vous littéraire de la Nadière. C'est incroyable, les foules. Donc, on est avec l'agent Jean qui vit toutes sortes d'aventures. Et maintenant, il y a aussi le mini-Jean. Attention! C'est pas parce que c'est mini-Jean que ça s'adresse à des plus jeunes. C'est que là, on est avec l'agent Jean, mais plus jeune. Lui est plus jeune. Mais c'est aussi une belle aventure. Bande dessinée, trame narrative, action. Chez Boomerang, on a la belle collection. Écoutez, je sais plus combien il y en a. 7 assurément. Le journal de Dylan. Moi, j'ai lu les deux premiers. C'est vraiment chouette. Alors, c'est une jeune qui entre au secondaire, mais c'est une élite dans le sport. C'est une fille qui joue au tennis. Et on va la suivre parce que, ben, quand on est dans les Jeux olympiques, les jeunes, les athlètes le disent souvent, c'est difficile parce que tu dois mettre de côté beaucoup de choses. Et là, donc, elle va... Dans le premier, tout de même, elle va essayer de voir
qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut devenir continuer à devenir amie, tu sais, ou continuer sa compétition? Elle va être déchirée. Ce que j'aime, c'est que c'est toujours des collations, des friandises, en tout cas, bref, des tomes avec des noms de desserts absolument incroyables. Marie-Lou Edison est une auteure que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment, vraiment génial. Laissez-moi genrer. Ben oui, c'est plus fille, quoique parce qu'il y a de la compétition, peut-être plus garçon. Si je me trompe, dites-le-moi. Une autre auteure, ouais. Auteure que j'adore, elles sont deux. Nadine Deschenaux, qui fait partie de ma vie depuis maintenant presque 10 ans. Hein, Nadine, je pense que c'est ça. Et Émilie Lachapelle, qui font la coécriture du Raph à la rescousse. Ça fait déjà 2 ans que j'ai envie de faire un concours au secondaire avec ce genre de. Avec cette série-là. Ça me tente, ça s'en vient, là. Laissez-moi encore le temps, mais ça s'en vient parce que il y a comme deux lectures. On est ici dans le journal de Maëlle, donc c'est Raph qui trouve un journal et qui, pendant la lecture, va porter des commentaires. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais en bleu, dans la marge, ce sont des notes que Raph se permet de laisser dans le journal. C'est parfois très drôle, parfois c'est touchant, parfois c'est des commentaires tout à fait gratuits, mais parfois c'est des petits conseils particuliers. Alors, c'est vraiment chouette. Et si j'étais, parce que ce soir, j'avais pas envie d'être si pédagogique que ça. Mais si on voulait être pédagogique, c'est qu'on peut prendre n'importe quel journal, et ce, à n'importe quel niveau, et demander aux élèves de porter un commentaire. Ou si on lit celui-ci, on en lit quelques pages, mais quelques jours, parce que c'est un journal intime, donc c'est daté. Et on demande aux élèves de porter des commentaires, puis ensuite, on compare avec les commentaires de Raph. Je réfléchis à un concours, je vous dis. Je sais que Nadine et Amy étaient comme, ouh, ce serait intéressant. Puis je pense que si je les relance, ça devrait pas être très long pour qu'on mette quelque chose en place. Donc, 3 tomes, je pense. Peut-être le 4 est sorti là. Wow. Là, mes piles, les piles qui étaient ici deviennent là. Oh là là, où je vais, où je vais. Michel Quintin, ça j'en ai parlé souvent, souvent. 4 tomes dans Minuit 13. J'adore cette série. On apprend des choses sur des phénomènes qui se sont passés au Québec. C'est sûr que c'est de la fiction, mais l'événement est vrai. Ici, c'est l'Empress of Island, donc le paquebot qui a, pas le paquebot, mais le grand bateau qui a échoué à Rimouski. Toujours une enquête, c'est du journalisme d'enquête qui l'amène dans toutes sortes d'aventures. Wow! Bam, Dragouille. Je passe l'été à lire les Dragouilles parce que j'ai besoin de documentaires et je veux vraiment toutes les. Je passe au travers la série. Donc, chez Michel Quintin. Maxime Cyr et Karine Gotot. Je sais pas si je le prononce bien. Alors, j'ai pris n'importe quel tome parce que je les ai presque tous. Alors, c'est le 19. Les Bleus de San Francisco. Ici, je pense qu'on voyage. Je les ai pas lus, là. On voyage. Mais ce qui est bien, c'est que s'il y a une partie documentaire, il y a une partie, évidemment, BD. On va voyager et si l'enfant aime ça, c'est que il apprend tout en s'amusant, tout en étant dans un mode relaxation parce que c'est l'été. Et waouh, moi, de donner des personnages comme ça pour nous faire apprendre, j'ai rien d'autre à dire que waouh. Alors, on a Cathy ici qui dit super intéressant. Merci. Mais qu'est-ce qui est super intéressant? Quelle série dont vous parlez, que vous parlez? Et je répète.
que je, si vous m'écrivez puis que je ne vois pas vos commentaires, je suis désolée. C'est parce que je les vois pas. Donc, c'est pas que je vous ignore, là. Si je le vois, habituellement, je le commente. Bon, défense d'entrée, je sais pas pourquoi, mais j'en ai parlé. U4, c'est toute une série. J'ai arrêté de vivre. Ah, 13 pour mon ado, c'est la seule. Oui, il va vraiment aider. Il va vraiment, vraiment apprécier. Je sais pas s'il l'a déjà lu ou si ça va être une découverte, mais s'il a envie de me faire un petit commentaire, ben allons-y. Moi, je suis à la recherche de jeunes critiques, soit par écrit, soit par vidéo avec la permission, donc l'autorisation signée par les parents. Et je suis en train de monter ça, pour c'est un projet pour 2018-2019, pour alimenter de la lecture pour le plaisir. Donc, ce sont les jeunes qui vont parler aux jeunes de leur découverte. Donc, U4, ce sont quatre auteurs, quatre personnages différents, quatre personnages principaux, deux maisons d'édition. La particularité, regardez, sont ici. La particularité de cette histoire-là, c'est que les quatre personnages vivent donc au même moment. Ils vivent des choses en même temps, mais dans régions différentes, et ils se rendent tous les quatre au même rendez-vous. Et par la force des choses, ils vont se croiser. Donc, moi, j'ai Yves Grevet, c'est un auteur que je lis beaucoup. Donc, c'est sûr que j'ai lu Corridwin en premier. Il n'y a pas de tome 1, 2, 3, 4. On peut les lire de façon différente. Et Yanis, ici, personnage que... Ah non, c'est Jules que je trouvais presque insignifiant, mais quand parce que je l'ai vu dans le regard et dans l'interaction qu'il avait avec Corridwin. Et ma façon de penser a changé quand j'ai lu Jules. Yanis, donc, on va le suivre. Et ce qui est bien, c'est que c'est quand il rencontre Corridwin dans le tombe de Corridwin et que là, il se rend compte et qu'on le lit dans le tombe de Yanis. C'est le même moment, mais vu et vécu d'une façon différente, c'est vraiment, vraiment très bien. J'ai une enseignante du secondaire, deuxième cycle, qui a fait une activité avec ses élèves. Elle nous a partagé, alors sur la page messagerieadp.com, dans la section action pédagogique, fiche pédagogique, fiche de partage, deuxième cycle du secondaire, et que vous allez retrouver ces petites faces-là. En cliquant dessus, vous avez le travail qu'elle a fait faire avec ses élèves. Wow! Je reste avec les plus vieux. J'en avais parlé déjà. Epsilon, science-fiction. C'est pas un genre qu'on a qui est courant, hein, de la pure science-fiction. Élodie Tirel, chez Michel Quintin, a relevé le pari. J'en ai 5, mais je pense qu'il y en a plus que ça. Je perds le contrôle à un moment donné, hein. Je sais que ça fait pas très professionnel, mais j'en ai 5, j'en ai lu 3. Donc, on est vraiment là, dans de la vraie science-fiction. C'est vraiment, vraiment très bon. Et pour étudier le genre, alors même si les jeunes ne liseront pas, ne liront pas tout le roman, ça peut être une belle amorce parce que c'est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. On ne sait pas si c'est du fantastique. Non, non, c'est de la science-fiction pure. J'ai presque fini, hein? Mine de rien. Là, je les ai sortis. Ah! Évidemment, vous avez la série des petites poules. C'est pas juste ça, là, il y en a d'autres. Donc, même si on dit qu'il n'y a pas de premier, c'est ça qui est préférable, d'avoir lu la petite poule qui voulait voir la mère pour comprendre qui sont les personnages finalement, quels sont leurs caractères et comment ils se sont rencontrés et pourquoi ils sont de telle et telle couleur.
Par contre, on s'en va vraiment dans les petites poules, la bête et le chevalier, Jean qui dort, Jean qui lit, la poule au bois dormant, un poulailler dans les étoiles, nom d'une poule, oh, celle-là, il est très drôle, on a volé le soleil, charivari chez les petites poules, c'est vraiment, vraiment bien. Et bonsoir, Joanie, on se voit dans 2 jours. Donc, dans les petites poules, vous avez, et ça, je l'avais déjà parlé, mais sur le site internet lespetitespoules.com, dans la section enseignants, vous avez accès à un rallye dans les petites poules. Vous avez également accès aux peintures de grands maîtres, parce que dans chaque album, on fait un lien. On reproduit un tableau de grand maître. C'est absolument génial. À nous, adultes, de les trouver pour qu'on puisse en jaser. Évidemment, on a les Geronimo Stilton en petit album, en bande dessinée, en documentaire. Mais je vous présente Théa. Théa, qui est une belle série aussi, qui est donc la cousine hein, de Geronimo et qui a une écriture aussi dynamique que les autres. Ici, c'est un roman. Pour quelle année? Je saurais vous dire, parce que Théa vit avec les jeunes. YouTuber sur de la bagnole. Celui-ci, c'est le premier. Ce qui est très drôle, c'est que on a toujours en haut de la page le nombre d'abonnés parce que notre personnage principal, Henri, lui, il veut être un hot. Et il part sa propre chaîne YouTube puis il s'en va juste voir le nombre de personnes qui le suivent. Ça marche pas toujours. Bref, c'est vraiment très, très bon. En éthique, probablement troisième cycle du primaire, on peut le faire au secondaire. En éthique, c'est quoi l'importance? Est-ce qu'on doit vraiment être populaire dans une école? La plupart d'entre les élèves vont lui dire oui. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça donne de plus d'être aussi populaire. Bref, c'est très drôle, puis il y a toutes sortes de choses à l'intérieur. L'écriture est un très grand dynamisme. Les jeunes, ça peut être accrocheur. Ça peut être vraiment un livre accrocheur. Là, il y en a plein d'autres, hein. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, t'as pas parlé de telle série, mais il reste que je veux quand même respecter le temps. Ça va faire 50 minutes que je vous jase. Je finis avec, une série. C'est pas ma favorite parce que j'ai pas le droit de dire ça. Parce que il y en a beaucoup d'autres que j'aime beaucoup. Tu sais, pour les grands, je vous ai pas parlé de chez Boomerang, la collection de mon Dieu, je viens de perdre son nom. La piégée droguée. Ah, voyons, j'ai vraiment un grand trou là, dans ma tête. Mais c'est une série qui est difficile à lire. C'est un livre pour être accompagné avec les plus jeunes, je parle du secondaire. C'est vraiment une collection absolument géniale chez Boomerang. Amélie G, je pense, c'est l'auteur. Là, je fais dur parce que là-bas, la collection. Mais je finis par une de mes collections préférées, favorites. Alors, c'est Léopé. Léo dont le père disparaît dans le premier tome et qui est très une lecture le livre est un objet. Regardez, on dirait un vieil album que l'on ouvre. Donc une place narrative, mais il y a aussi une partie donc BD. C'est vraiment extraordinaire. C'est Karine, je l'appelle Karine C. Paquin parce que Karine est avec un C. Et c'est Fred qui en est l'illustrateur. En parlant de Fred, j'ai pas présenté, mais effectivement, il y a les Smikey en série BD. Série vraiment intéressante. Et si vous avez un jeune
capote sur les Smikey. Il y a aussi le cherche et trouve qui devient un grand jeu, qui devient un outil de divertissement parce que il y a une quête à faire. Faut l'accompagner parce que c'est un peu complexe au début, mais une fois qu'il comprend les règlements, une fois que la partie est commencée, c'est vraiment chouette. Donc, Léo P, qui est ici dans la course. Dans le 3, c'est le vol. Dans le 4, c'est l'enlèvement. Et il me semble que j'ai vu passer des planches ou la page couverture, la première de couverture du 5. Wow! Sur ce, je vous souhaite un bien bel été. Même si on se souhaite du temps ensoleillé, du temps agréable, pour des parties de plein air absolument géniales en famille, en groupe. Je vous souhaite un bel été. Bonne lecture, bonne découverte. On se revoit au mois d'août. Est-ce que j'ai déjà la première date? Il me semble que oui. On se voit donc le 22. Ah. Il y en a qui partent en voyage. D'accord. Merci Chantal. Profite bien du soleil. Je vais être sur mon deck ou même dans la chaise qui flotte dans la piscine. La madame, elle va lire dehors. Donc, ça va être le 22 août, mercredi le 22 août. Et l'an prochain, vu les circonstances, je ferai pas de Facebook direct toutes les semaines. Je vais en faire un ou deux par mois. J'ai déjà ciblé des dates et je vais essayer de respecter ces dates-ci. Alors, bon été tout le monde. Et pour celles qui me posent tout le temps la question pour le bon de commande, ça va aller à lundi. Parce que la madame, elle frise beaucoup. Elle a beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Il reste 2 semaines. Puis c'est beaucoup de demandes et je tiens à remplir mes engagements. Alors, sur ce, bye bye!